On est ici aujourd'hui sur l'atelier qui réfléchit sur les collaborations et les partenariats qu'on peut avoir entre les acteurs de l'écosystème entrepreneuriat et numérique au Bénin, en l'occurrence les SAEI, les startups, les PTF et surtout le secteur public. Je peux vous dire que les échanges sont fructueux parce que on a les acteurs qui sont sur place, on échange pour voir comment mettre en place une organisation qui puisse permettre à l'écosystème de marcher normalement. Pourquoi une telle activité est importante? C'est déjà pour réunir les acteurs de l'écosystème, pour créer un espace de collaboration, d'identification, de synergie et d'apprentissage. Et pour nous, à la GIZ, effectivement, ça permet d'identifier des acteurs pour collaborer avec eux, pour mieux comprendre les priorités de ces acteurs et effectivement pour mieux comprendre ce que fait Enabel et DigiBoost avec leurs activités. C'est intéressant parce que c'est beaucoup plus un débat d'idées, un débat sur des propositions pour que ça puisse avancer. C'est une très très bonne chose en ce qui concerne que ça tourne toujours autour du dialogue qu'il faut initier entre le public et le privé pour faire avancer l'économie numérique dans notre pays. Cet atelier vient à point nommé quand même pour accompagner aussi une initiative que la Chambre de commerce a déjà vue très tôt sur la collaboration que devraient avoir les SAEI sur le terrain pour apporter de meilleures solutions, des solutions plus adaptées et plus concentrées aux opérateurs économiques béninois. C'est un atelier d'abord qui a pour objectif de faire la restitution de la cartographie de l'écosystème de l'économie numérique que nous avons confié au cabinet Technopolis. Et puis après, de créer un cadre de concertation, un cadre de collaboration et de partenariat entre les différents acteurs de cet écosystème-là. L'atelier qui se mène aujourd'hui, nous la trouvons très importante, surtout que pour la Chambre de commerce aujourd'hui, servir l'entreprise, c'est ce qu'il y a de plus important.